Bonjour frère Maxime, comment nous est? C'est JFL Cuisine Créole, Jean-Fait dans lundi, votre chef à la maison qui rentre la caille nous. Moi dis nous merci pour fidélité nous, hein. Moi dis nous merci pour confiance nous tout, ok? Moi dis nous, moi le fais un petit bail pour nous, très simple, ok? Moi dis, puis le monde qui m'a demandé, moi le fais pour nous un petit macaroni au fromage, ok? Nous allons commencer, mettre de l'eau à bouillir là, mettre celle là-dedans normal. Mettons 4 tasses de macaroni. On commence, moi fais le bouillir. Ça, il doit cuire quasiment à point. Nous là, je vais montrer nous là pour qui ça montre nous parce que regarde. Là, là, si on a fait n'importe quoi d'autre avec ça, il a été prêt. Mais le fait que c'est macaroni au fromage à ma ferme, je vais le faire 3 minutes encore. Macaroni là, nous recommandons un petit jambon blanc, ça veut dire c'est bien bien cuit. Ok? Là, tout de suite, je vais commencer à faire macaroni au fromage là. Pour me faire macaroni au fromage là, je vais mettre un poêle sous du feu. Ça, c'est parce que je vais faire avec poêle. Mais advenant le cas c'est avec une chaudière, tu as fait le tout, si tu as fait une grande quantité, tu as toujours mettre le dans une chaudière. Une fois qu'elle est bien chaude, je mettre la 6. Okay? Mais le fromage que je vais utiliser, c'est un fromage mozzarella. Il y a un noir jaune, il y a un noir blanc, il y a un noir jaune et blanc comme ça. Moi, je vais juste mettre le fromage à fond. Okay? Normalement, vraie façon de faire macaroni au fromage, c'est 50-50. Alors, d'ici, si je mets une tasse de macaroni, je mets une tasse de fromage fond. On a fait fromage à bien fondre. L'important, faut que le poêle n'a pas un pile de feu. Je dis là, jusqu'à maintenant, moi à 6 encore. Je vais changer, la fondre tranquillement. Il ne pas brûler en bas. Ok, on va remarquer là, il est censé fondre. Okay? Là, là, c'était quasiment une tasse de mettre. Mais là, je vais mettre une tasse de fromage. Quand la pâte commence à chauffer, pour doit tout après rentrer là-dedans. Mélanger, bien mélanger. Pour les bien mélanger avec le fromage, je ne vais jamais monter 10 fées. Je vais toujours quitter la 6. Si 10 fées trop en balle, qui ça l'a fait, la vient brûler. Et voilà. Ça, c'est une recette de Simone. Pas de Simone qui va remettre macaroni au fromage. Et voilà. Et voilà. Macaroni au fromage. Mais si cette macaroni au fromage là, pas besoin de décoration ou bah tout monde là, pas de problème, la manger le poule. C'était JFL Cuisine Créole, j'ai fait dans lundi votre chef à la maison qui était entré la canon pour te montrer nous faire juste un petit macaroni au fromage pour les enfants. Merci.